1476, l'aube d'une ère nouvelle pour l'Italie. Sous l'influence de grands esprits, l'art, la culture et la science rayonnent. La Renaissance, c'est probablement le terme que les historiens emploieront pour parler de nous. Mais dans l'ombre, loin des richesses et des lumières, se cache une autre réalité. Corruption, trahison, meurtre, secret. Des secrets si dangereux que je suis contraint de les cacher même à ma propre famille. Famille, justice, honneur. Telles sont les valeurs guidant mon épée. Cette histoire est écrite en lettres de sang, et c'est dans les ténèbres que je frappe. Je m'appelle Giovanni Auditore, et comme tous mes ancêtres, je suis un assassin. J'ai pu les intercepter avant qu'ils ne quittent Florence. Malheureusement, l'un d'entre eux s'est échappé, sire. Qu'as-tu découvert, Giovanni? Des rumeurs. À propos d'un événement important, d'un changement de pouvoir. Cet homme que vous avez capturé, a-t-il déjà parlé ou non? Il nous dira ce qu'il sait, n'ayez aucune inquiétude. Oh!
à Milan. Le lendemain de Noël, à la grand-messe, pour la fête de Santo Stefano. Thank you.
Tu apprends vite. Il me fait penser à toi. Hey, Dio, n'oublie jamais, tu dois garder un coup d'avance. N'attends pas que ton adversaire bouge. Anticipe et surprends-le. Comment allez-vous, père? Bien, bien. Père. Frédérico. Bien. Maintenant, montrez-moi. C'est la troisième partie. Avec la mort du duc de Milan, Lorenzo de' Medici a perdu un puissant allié. Ses ennemis ont déjà prévu la suite, j'en suis persuadé. La mort de Sforza n'était pas la fin. Elle n'était que le commencement. Et je sais où livrer ma prochaine bataille. C'est pourquoi nous te confions le soin de porter cette lettre à notre maestro. C'est parfait. Vraiment parfait. Après toutes ces années, notre heure est enfin arrivée, cousin. Oui. Écoute-moi bien, tant que tu ne l'as pas remise, cette lettre est plus précieuse que ta propre vie, est-ce clair? Rends-toi à Campo San Anzolo. À côté du marchand de vin, il y a une statue. Notre homme t'attendra à cet endroit. Ne nous trahis pas. Ti faccio fiducia.
Giovanni, qu'as-tu découvert à Venise? J'ai intercepté cette lettre. Regardez, Votre Grâce. Elle porte le cachet des Barbaregos. Je n'ai jamais eu confiance en elle. Gonfaloniere. C'est une missive codée. Il va nous falloir du temps pour révéler ses secrets. Je te ferai chercher quand ce sera fait, Giovanni. Va te reposer. Père, ma fille. Je savais que vous n'alliez pas me décevoir, père, ma fille. Allez chercher Giovanni. Dites-lui qu'il faut vite qu'il se prépare. Je vais réveiller Lorenzo. Et mon père, n'oubliez pas, vous nous devez votre silence. Les secrets qui sont nés ici doivent mourir. Ici. Personne ne doit connaître le contenu de cette lettre. Capiche? Bien. Vous pouvez partir. Accordez-moi un instant, père. Nous observe. Je le sais. Tu devrais lui parler. Je le ferai. Dites-moi, père, pourquoi un banquier quitte-t-il si souvent son domicile en pleine nuit? Pour affaire, mon fils. Laissez-moi venir avec vous. Non. Pourquoi non? Je veux que tu aides ton frère. Prends soin de la famille en mon absence. Je veux vous aider, père. Tu le fais déjà plus que tu ne le crois, idiot. Bien plus que tu ne le crois. Nous en avons brisé le sceau. Nous devons en faire une copie parfaite. Le père Raimondi y travaille en ce moment même. Pourquoi? Nous sommes incapables de la déchiffrer. Le seul moyen de révéler les secrets de cette lettre est de découvrir qui a bien pu ordonner l'assassinat de Sforza et de la livrer pour voir où elle nous mènera. Votre Excellence, je connais l'endroit exact à Rome où les Barbarigos voulaient que cette lettre soit remise. Laissez-moi y aller. Père, ma fille, avez-vous terminé? Rome est une ville dangereuse, mon cher Giovanni. Es-tu sûr de vouloir effectuer cette mission sans aucune aide? Oui. Pour la sécurité de Florence et pour l'honneur des Medici. Ainsi soit-il. Va et trouve le nid où ces serpents se cachent. Sois sans pitié aucune.
soit jamais nos alliés. Amen. Amen. Rodrigo Borgia fait-il le messager ? Lorsque cela est nécessaire, votre sainteté. La mort du duc de Milan change beaucoup de choses. Vraiment, vous croyez ? Les alliances entre les hommes sont fragiles. Les villes sont comme l'argent, il est facile de les faire changer de main. Aussi longtemps que Dieu est avec nous. Amen. Amen. On me dit que Lorenzo de Medici ne montre pas beaucoup de respect pour notre position. C'est exact. Mais vous pourriez facilement le faire obéir à vos ordres. Florence s'est affaiblie. Nous devons en tirer profit. Avec votre aide, cela pourrait... Il ne fait pas partie de mes fonctions de consentir à la mort de qui que ce soit. Mais je souhaite le plus grand bien à la République de Florence. Et par conséquent, je suis prêt à vous offrir mon support spirituel. Ainsi qu'une aide militaire. Afin d'assurer le maintien de l'ordre. Promettez-moi de garantir l'honneur du Saint-Siège, Rodrigo. Vous pouvez compter sur moi, votre sainteté. Je cherche l'homme qui vient d'entrer. Vous devez l'avoir vu. Où est-il caché ? La journée a été très calme ici. Je n'ai vu personne d'autre que vous. Son visage était couvert. L'homme était vêtu de noir. Je ne peux pas vous aider. Remettez-vous-en à Dieu. Priez. Et vous trouverez peut-être la réponse.
Ta lame ne sera pas suffisante, assassin. Ce qui va se passer à partir de maintenant dépend de toi. Tu as des talents exceptionnels, Giovanni. Tu te nommes bien Giovanni. Des talents que je serais très heureux d'avoir de mon côté. Et quel est ce côté? Celui qui s'apprête à gagner une guerre dont tu ne sais même pas qu'elle a commencé. Le monde est en train de changer à ton insu, Giovanni. Rejoins-nous, et tu pourras vivre pour le voir. Borgia. Oui, je connais ton nom, moi aussi. Je sais aussi comment tout cela va finir. Avec tes chimères en ruine et la lame d'un assassin plantée dans ta gorge. Nous verrons cela. Il est à vous, allez-y. Attrapez-le! Et ce poignard te transperçait le cœur. Tu n'as pas dit un mot depuis ton retour. Qu'est-ce qu'il y a, Giovanni? Dis-moi. Le meurtre de Sforza n'est que le commencement. Il s'agit d'une vaste conspiration. Je suis certain que la suite va se passer ici, à Florence. Oh, Madonna mia. Je m'inquiète pour la sécurité de De Medici, pour le sort de ses alliés et pour le nôtre. Papa! Papa! Tarmafei est ici. Il veut que vous veniez avec lui sur le champ. Il n'est pas seul. Des hommes armés. L'accompagne. Calme-toi, fils. Pourquoi Lorenzo Di Medici enverrait-il des gardes pour toi? Je l'ignore. Retourne et dis à ma fille que je ne suis plus ici. Essaie de gagner du temps. Federico, je m'en remets à toi. Tu es l'aîné. Protège la famille. Allez. Cette maison tout de suite. Vai, guarda! Vai, guarda! Vai, guarda! Vai, ragazzi!
Arrêtez, arrêtez cela tout de suite! Je vous l'ai dit, mon père n'est pas ici. Mettez plus jamais en doute la parole d'un auditore. Quittez cette maison immédiatement. Nos plans. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de Giovanni. Je sais déjà comment je vais m'y prendre. Ensuite, plus personne ne se mettra en travers de notre chemin. Cher fils, un vent mauvais s'est levé sur Florence. Il n'y a pas de temps à perdre. L'ennemi est plus proche que je ne le pensais. Le combat final est sur le point de commencer. Tous les hommes sont mortels. Toutes les vies ont une fin. Mais certaines choses ne changeront jamais. Frederico et Ezio, mes fils, n'oubliez jamais ceci. Nous sommes les auditeurs de Florence et nous sommes des assassins.